le juin des 1000 mètres. C'est un environnement que j'ai depuis tout petit. Ma famille est franc-montagnarde. On a grandi dans cette région-là des 1000 mètres. Toutes les histoires qui sont reliées à cette culture de la paysannerie horlogère, du secret. Toutes ces histoires qui sont entre les hommes, le visible et l'invisible. C'était très, très présent quand j'étais petit. Puis après, tous ces moments où j'étais seul dans la forêt, dès l'âge de 5-6 ans, donc il y avait ces ressentis d'atmosphère, d'environnement. Et après, quand je rentrais à la maison, je dessinais ce que j'avais vécu. Quelqu'un qui est en lisière ressent des choses et il va être un voyageur. C'est comme si j'étais à l'intérieur d'un moi, là, il y a ce corps, et je sens un moi voyageur intérieur. Ce corps, j'ai l'impression qu'il est un outil pour pouvoir travailler la matière, être dans la matière, ressentir des émotions, des choses. Et le moi voyageur intérieur permet d'être dans ces lisières de monde. Et donc à partir de là, on capture les rêves, on capture les images des rêves. Je parle des rêves parce qu'il y a des fois même ceux des autres qui viennent. C'est comme on avait des senseurs et on prend des choses et on en fait quelque chose. C'est pas juste d'être un observateur et de rien en faire. Quelque chose d'un coup se révèle dans cette matière-là. Donc il y a une sorte de transformation, il y a une sorte d'alchimie qui va s'opérer, à mon avis, à travers l'art. Ça, c'est ce que je ressens maintenant. Dès l'âge de 6-8 ans, je sais que je veux vivre du dessin. Et c'est à 15 ans que, quand je suis passé devant l'orientation professionnelle, elle me dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» Je vais raconter des histoires par le dessin. Et cette orientatrice professionnelle m'a dit « mais c'est pas un métier, donc tu peux pas faire ça. » Et là, j'ai vu un monde un peu autour de moi qui s'était écroulé. J'ai pas eu de support de ma famille plus que ça. Et c'était assez difficile pour moi. Mais en même temps, je suis toujours de nature très positive, donc je me dis, je vais pouvoir apprendre différemment, peut-être ce dessin, je ne sais pas. C'est comme ça que je suis arrivé dans l'architecture. J'ai eu ces 4 ans d'apprentissage, et après ça, je savais que je ne voulais pas travailler en architecture. Donc j'ai fait cette école de film de Vancouver, et puis après, à 27 ans, je pars en Suède, et on ouvre une société pour le cinéma d'animation 3D, avec un ami suédois. Et en revenant en Suisse en 2003, c'est là que j'ai commencé à faire de la scénographie pour du théâtre. J'enseignais aussi à côté, donc il y a eu beaucoup de choses qui s'est déplacées dans cette idée de ce qu'est l'intérieur, l'art, l'imaginaire, le mettre dans la matière. Et tout ça a créé, on va dire, une sorte de métier qui était créatif visuel sur plusieurs domaines, qui passait du film à l'architecture, au design, à l'art, à la scénographie. Et puis pour moi, je créais toujours la même chose que quand j'étais enfant dans les forêts des Chennevières. Je mettais en scène mon imaginaire à travers différents supports.
Celui-là. C'est vraiment un des dessins les plus importants pour moi. Il représente une étape, en fait, de ce commencement de ces dessins en 2017. J'en ai fait un par jour, une heure seulement de dessin. Je me réveillais le matin, 5 et 6 heures, et je faisais un dessin qui vient d'un rêve. Et c'est un rêve de mon enfance. Et j'aimais, dans mon enfance, me mettre sur les troncs et ressentir, en fermant les yeux, ce qui était, on peut dire, dans un invisible et invisible. Et il représente ça, cette sphère avec des oreilles qui reprend ce que je ressens dans le ventre et la nature qui me regarde et qui est en lien avec celui du bas qui s'est posé comme ça, avec ce corps féminin sur un tronc qui est comme quelque chose de maternel. Et puis qu'il y a des bras, en fait, branches qui créent un arbre. Et c'est cet arbre qui reçoit tout à l'intérieur de ce corps féminin et c'est ce corps masculin qui entend tout ce qui est à l'extérieur. Donc c'était une partie de mon art qui a débuté à ce moment-là. C'est chaud, hein? Mmh. T'as faim? Mmh. Ouais, tomate. Ou en travers, hein. Puis on pose la gâteau. Je vais faire la salade verte sur un, puis la tomate mozzarella sur l'autre. Et là, tu me donnes? Cette maison, c'est vraiment une architecture d'intérieur. On peut parler, on va dire, d'un processus intérieur qui est comme une histoire, hein. C'est une sorte de narration. Tout se raconte de l'intérieur comme un arbre. Il y a comme un tronc, et ce tronc, en fait, il y a des branches qui sont à peu près à tous les 2,72 m et qui tournent en spirale sur à peu près 10 niveaux. Et le bois, qui est une texture qui a été choisie pour représenter comme les sapins, on va dire, de mon enfance, et qui cadre justement le paysage. On voit depuis l'intérieur, toutes les fenêtres sont disposées telles qu'elles créent des tableaux vivants. Et donc, on a l'impression d'être dans un arbre, parce que c'est du sapin. Tout est en trois plis sapin, et chaque chambre devient une cabane. Vas-y, continue. Je vais là. Comme s'il y avait des bulles. Et puis, c'est des bulles de curiosité, comme ça. Ça, c'est sa bouche, hein, que t'as fait. Oui. Puis après, tu fais la bulle. Hello. Hey. T'aimes bien la manipulation de génie ou pas? Ah ouais. C'est mieux, hein. Ouais, on comprend mieux avec l'ombre, là, ça change tout, hein, ton dessin. Tu trouves pas? Regarde. On voit mieux le fait que c'est du vert. Avant, on voyait pas, hein, quand il y avait que le trait. Donc là, t'as fait juste. Simplement qu'il est un petit peu planté trop devant toi. Il doit être un petit peu à la fin, ici. Je te conseille de le refaire pour qu'il soit bien. Puis tu places aussi où il y a la bougie. Ouais. Tu préfères le Capitaine Haddock? T'as envie? Non. Okay. Bah, la famille, pour moi, c'est comme une œuvre artistique. Et la dimension du père, ouais, c'est plus une transmission, je dirais, de choses qui sont à l'intérieur de nous. On se révèle à travers nos enfants. Nos enfants se révèlent à travers nous. Il y a très peu de cloisons. C'est toujours un mouvement de partage. C'est un lien qui va vers, bien sûr, un côté parental. Je peux essayer de faire ça.
mais aussi amical. Hello. Hey William. Ça va? Ouais. Ça va, c'est bon. Mm-hmm. Vous voulez voir les dessins que j'ai fait en Bretagne? Ouais, à fond. C'est-à-dire que pour moi, ces enfants, ils sont là, mais dès qu'ils ont 20 ans, ils sont adultes, on a un rapport d'adulte à adulte. Et j'ai toujours eu cette conscience que j'allais développer une amitié future, tout en restant un lien enfant-parent. Mais à un moment donné, tout ça disparaît, à mon avis, et ça devient des amis. Et de cultiver cette amitié quand ils sont déjà enfants, pour que ça soit ce jardin plus tard, ça, c'est le plus important. Là, c'est une murène. Vous savez comment il arrive juste là, avec tout ça. Hey. Mm-hmm. On a fait un dessin imaginaire avec Eloane. Ok. Tu sais comment on aime bien faire comme ça. Mm-hmm. Le côté complètement la baleine et puis le lien avec le crabe, là, c'était trop bien. Bah là, tu vois, c'est comme un dragon comme ça. Et puis là, bah, tu vois, c'est une baleine avec une petite lumière. J'ai ressenti une présence dans la forêt qui m'accueille, qui m'apaise, qui me parle, qui me guide. Donc c'est pas une question de croire. À mon avis, croire, c'est quand on sait pas et que tout d'un coup on se met à croire à quelque chose. Moi, j'ai pas besoin de croire. C'est une expérience que j'ai depuis tout le temps. C'est une intuition. Je vais dans cette direction-là et tout d'un coup, il y a autre chose qui m'appelle. Et quand on se laisse aller à ça, il y a vraiment comme une sorte de guidance. C'est la souche qui m'appelle. Pour moi, c'est la souche qui me guide à dessiner ce visage. C'est comme si la souche voulait prendre un aspect humain, vu que c'est l'humain qui l'a coupé. C'est pas mon cerveau qui dit « fais cette ligne-là ». Il y a quelque chose qui génère une force de la nature et qui fait qu'on est en lien. Pour moi, là, il y a de l'ordre du surhumain. Il a encore pas trop bougé celui-là. Hein. Il a eu quelques pluies là. Ça fait un mois et demi qu'il est là et il est beau. Il écoute avec sa grande oreille. C'est un peu comme un maître de la forêt. Il n'a pas disparu. Le côté éphémère du fusain, c'est du bois brûlé, donc c'est complètement voué à l'éphémère quand c'est pas protégé. Et pour moi, c'est le but, c'est que la pluie disparaisse. Fait disparaître le dessin, que le tronc revienne, et peut-être qu'un jour je reviendrai pour en dessiner un autre, je sais pas. C'est ça que j'aime bien, pouvoir revenir des fois et revoir un petit peu l'œuvre, comment elle a évolué avec le temps, jusqu'à disparaître.
Sébastien? Oui? Tu peux juste venir m'aider avec un truc? Je vais juste plier. Est-ce que tu peux juste voir que les feuilles se déplacent pas? Donc voilà. Est-ce que tu veux avoir au milieu? Ce que je voulais avoir au milieu. Avec Sébastien, on s'est rencontrés à Göteborg, en Suède. Et vraiment comme une amitié au début. Et puis cette amitié s'est approfondie. Et puis on a assez vite senti qu'il y avait quelque chose très fort entre nous. C'est beau comme c'est venu éclater là. Puis les petits points comme ils sortent. Ah, j'avais jamais vu ça avant. C'est magnifique. Sébastien est pour moi un vrai artiste. C'est quelqu'un qui voit la beauté et l'ombre de la beauté autour de lui. Ça peut être sur une pierre, sur un arbre, sur un nuage. C'est quelqu'un qui est énormément connecté. Puis les feuilles, hein. Il y a une petite forêt. C'est aussi beaucoup grâce à Sébastien que moi, j'ai osé me lancer et puis oser crier. Un petit moment. Un petit être qui naît encore. Du jardin. Il me fait aller voir et oser voir que j'ai des choses à dire. Avec Evalotte, qu'on s'est retrouvés en résonance depuis notre première rencontre, j'ai vu un être. J'ai pas vu une femme plus que ça. C'est une personne qui tient tout ensemble, hein, d'une énergie extraordinaire, hein, pour moi. Elle est tout en un. Elle a une dimension artistique et en même temps, elle a une dimension mariale. Et une dimension amicale. Entre nous, il y a eu cette espèce d'espace du respect. Dès le départ, hein, c'était comme ça. C'est de voir et de percevoir dans l'un et l'autre. C'est elle qui m'a ouvert à la lecture. En tant que dyslexique, je ne le savais pas à l'époque, mais en fait, j'ai cette dysorthographie où j'avais beaucoup de peine à lire des livres où il n'y a pas d'image. Et elle a été, rien que par le cinéma, à me dire, mais tu sais, ces films que tu adores, eh bien en fait, dans les livres, il y aura des dimensions, toi qui adores tout le narratif, qui vont t'ouvrir. Et d'un coup, j'ai été un boulimique pour découvrir ça. Et c'était une fusion totale. Elle a toujours réussi à m'élever sans me pousser. Et ça, c'est quelque chose de magique pour moi, parce que j'ai plutôt toujours été poussé. Et si j'ai pas envie, ben, il y a une résistance. Et avec elle, il n'y a jamais de résistance. C'est une danse. Une danse qui est fusionnelle et qui permet à l'un et à l'autre de se révéler.
J'ai l'impression d'être à la lisière de plusieurs mondes, souvent. Tout d'un coup, il y a une sorte de réalité où tout le monde se retrouve. Et il y a encore d'autres réalités qu'on ne voit pas. Et quand je rentre en lien avec toutes ces réalités en même temps, je suis dans des mondes lisières. Je suis un être lisière, depuis l'enfance. Et pour moi, l'heure bleue, c'est l'ouverture du rideau vers le vrai. Quand on est seul, à 1000 mètres d'altitude, dans le Jura, et qu'on vit ces heures bleues-là, c'est un moment magique. On se sent là dans ce corps et on se sent plus là, on est dans le cosmos et puis on est partout, on est au centre de la Terre. Pour moi, c'est le mélange de tous ces mondes dont je parlais. C'est une dimension poétique, extrême.